Bonsoir, bonsoir. Essayez de partager. Bonsoir, bonsoir. On essaie de partager. Bonsoir tout le monde. On essaie de partager. On essaie de partager. Bonsoir. Partagez, 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 partagez. En fait, je fais cette sortie, c'est par rapport aux promoteurs culturels. Pour ceux qui sont sur Facebook, ça fait débat. Je ne sais pas si sur TikTok, ça fait aussi débat déjà. Mais depuis le matin, justement, nous sommes en communication par rapport à ce qui s'est passé. C'est un promoteur culturel qui réside en Europe, précisément en Allemagne. Et qui est le manager de Coco Argenté. Je tiens à vous rappeler que, en dehors d'être sur les réseaux, je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Ceux qui sont camerounais savent, ils connaissent cette organisation. C'est une organisation qui naît de manière spontanée après le baragouin juridique dont nous avions assisté à la Cour constitutionnelle, qui, une fois de plus, imposait M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Et après, les Camerounais, de toutes les composantes sociologiques, ont décidé justement d'être le relais de la contestation au niveau de la diaspora parce que M. Paul Biya, en utilisant les forces coordines répressives dans le but de museler l'opposition camerounaise, nous avions estimé que la diaspora devait jouer un rôle très déterminant dans le but non seulement de créer un rapport de force, mais d'interpeller ceux qui nous gèrent et de leur dire que. Vous n'aviez pas tous les leviers d'empêcher véritablement que dans une démocratie, les oppositions s'expriment. Et voilà comment nous nous sommes structurés. C'est vrai que nous ne connaissions pas les personnalités les uns des autres, ne se connaissaient pas. Mais on était fiers de voir quand même les Camerounais venir de diverses contrées, d'ailleurs de partout, et même des Africains, bien sûr. Je pense beaucoup à Général Barat, qui est gabonaise, elle, qui a beaucoup soutenu aussi ce mouvement. L'Angolo, de l'Afrique, etc., plusieurs. Et nous étions fiers. Ensemble, nous avions mené le combat, non seulement pour dénoncer, mais internationaliser le combat du Cameroun. Parce qu'il faut rappeler que il est très invisibilisé parce que M. Paul Biya et son régime, ils versent beaucoup d'argent à des think tanks, à des lobbyistes, dans le but d'empêcher que le combat du peuple camerounais puisse être internationalisé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Paul Biya ne va jamais manquer de se déplacer lorsqu'il est invité par son père de Paris, Emmanuel Macron, autre président français. Parce qu'il sait très bien que c'est eux qui détiennent un peu des leviers sur le plan diplomatique et c'est eux qui, dans une conspiration de silence, permettent à ces dictatures de se maintenir dans le but de leur permettre d'exploiter toutes ces richesses. Et le mouvement de la brigade anti-Sardina qui naît justement à Bruxelles, parce que nous avons lancé un mouvement de contestation à Bruxelles et c'est ce jour qu'il naît ce mouvement. Et ce mouvement s'est exprimé déjà par le blocage des artistes, qui était pour nous très important, parce qu'à la veille des élections, M. Biya se rassurait toujours d'inviter ses artistes pour la protestation, prester, pour justement célébrer sa prochaine nomination à la tête du Cameroun. Et nous avions estimé que ces artistes, qui le célèbrent et qui demandent encore à M. Paul Biya de se représenter pour une mandature de 7 ans, alors que les conditions sociopolitiques sont aussi difficiles et exécrables pour le cas du Cameroun, et sont incapables, eux qui sont les numéros, de se prononcer. Et stratégiquement, nous avions décidé donc, pour l'émulation de notre société, il était donc important de rappeler ceci, qu'à un moment, ceux qui vous donnent la force, c'est le peuple camerounais, et ce peuple qui pleure, qui aujourd'hui est abandonné, dont le régime en place en crampant comme sa paire de sandales, vous ne pouvez pas rester indifférent face à ses souffrances. Nous avons commencé à les interpeller, de dénoncer la situation. D'autres ont refusé. D'autres ont eu des positions aussi incompréhensibles, illogiques, en soutenant le régime en place. Ils sont allés même entrer en affront contre nous. Nous avons donc déployé toute la résistance. Et ce qui est magnifique, c'est que ce mouvement a conquis les cœurs des Camerounais, au-delà de la Belgique, en France, partout, partout dans le monde. Il y a une sorte de symbiose. Et c'était magnifique. Et les ondes venaient de diverses. Mais malheureusement, comme toute organisation, on ne connaît pas la moralité des uns des autres. Des autres y entrent avec leurs propres objectifs, etc. Donc on a subi quand même des crises. C'est des organisations et c'est des mouvements, bien sûr. Des mouvements politiques dont les politiques
infiltre dans le but de casser et de fragiliser. Mais néanmoins, nous avons mené ce que nous avions mené, et la sélection naturelle a pu exclure, ce qu'elle pouvait exclure autour de nous, ce que nous allons appeler les imposteurs, hein, plusieurs et tout ça. Au sein de nous, on a fait le filtre, et on sait qui est qui dans ce mouvement aujourd'hui. Mais néanmoins, le mouvement continue, elle a filtré, et d'autres personnes qui avaient quand même cette détermination, cette volonté de voir les choses s'entendre au-delà des insultes, des invectives, de la médisance, de la manipulation, des pièges. Il y a des gens qui sont restés dans l'objectif de notre combat, l'emporter. Et nous en sommes fiers, et je suis fier que j'appartiens à cette équipe-là, ceux qui sont restés depuis le lancement de ce mouvement en 2018. Nous sommes restés très très cohérents et très équilibrés par rapport à ces objectifs. Mais il y a des gens, par leurs limites, par leur fragilité, on ne va pas entrer dans les détails, se sont auto-disqualifiés de ce champ, que nous regrettons bien sûr, mais néanmoins, ne veulent pas lâcher, veulent avancer. La brigade qui a été un mouvement, parce que je tiens à vous rappeler que le premier ennemi de la nation, ça, depuis un certain temps, c'est ce que j'essaie de rappeler, il faut le dire. Le premier ennemi de la nation, pas de la nation, hein, le premier ennemi du régime de M. Paul Biya, parce qu'il faut le dire. Parce que nous sommes confiants que la plupart des Camerounais, même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer pour le cas du Cameroun, ont beaucoup de sympathie pour la brigade anti-Sandinard et comprennent les enjeux et savent exactement que nous menons un combat noble et juste. Même s'ils ne peuvent pas l'évoquer, etc. Même si les gens ont tendance à nous insulter d'immigrés et nous présenter comme étant des gens, subversifs, qui ne veulent pas dialoguer, d'une certaine barbarie et violence, etc. Versés dans l'agressivité. Bon, ce sont des rhétoriques et des expressions qu'ils utilisent dans le but de noircir et d'invisibiliser notre combat. Mais nous avons mené ce combat et nous avons continué. On a construit un rapport de force, d'ailleurs, nous en sommes fiers. Parce que ce que la brigade anti-Sandinard a pu faire, je vous assure, le président, M. Paul Biya, ne peut plus se déplacer tranquillement, comme ça. Il est toujours gêné, parce que à chaque fois qu'il se déplace, il y a au moins les Camerounais qui se font entendre, qui dénoncent sa présence et qui le mettent en difficulté. Et d'ailleurs, ce que les camarades ont précédé quelques jours en Suisse, vous aviez nos amis de Suisse, nos camarades, qui sont allés déjà organiser des ensembles de manifestations, je pense à Maman Élise, qui s'est manifesté devant l'hôtel intercontinental. Je pense à Général Barat, qui l'a fait encore par après. Je pense à la petite manifestation de Genève qui s'est passée samedi. Je pense aux frères qui sont déplacés, bravo, et continuer de se faire entendre. Ça, c'était le but. Mais néanmoins, nous regrettons, au sein de la base, les attitudes, les comportements des uns des autres, qui entre en intelligence avec le régime dans le but de saper le combat de la brigade anti-Sandinard et s'allier dans tous les sens. Mais ça ne nous a pas empêchés. Parce que dans la brigade, moi j'aime toujours le dire, il peut avoir tout, il peut avoir du faux, mais la réalité est que même s'il existe du faux, c'est parce qu'il existe du vrai quelque part. Donc la conséquence du faux n'est que l'existence du vrai. Et nous continuons de mener ce combat, on a mené nos actions, et dans nos actions, ce qu'il faut rappeler, lorsque nous voulons opposer des actions, ce que nous faisons, nous établissons d'abord un plan de dialogue et de discussion. On l'a toujours fait et cette règle n'a jamais échappé. Ça, il faut le dire. Parce qu'il faut le préciser. Parce que le promoteur Guy Parker, c'est un promoteur culturel, hein, il vit en Allemagne et c'est le manager de Coco Argenté. Et vous savez que Coco Argenté fait partie des artistes. Après Catino, certes, s'est repliée, elle a même présenté des excuses à la brigade anti-Sandinard, elle chante, hein. Elle se produit tranquillement dans tous les spectacles en Europe, elle n'est pas inquiétée. Parce que pour nous, on nous a fait croire que il y avait une volonté tribaliste derrière cette organisation, mais j'ai juste envie de dire à nos adversaires, nos contradicteurs, vous vous êtes trompés, vous aviez vu que la base est énormément représentative. Et vous aviez vu que notre démarche est très objective, même si les gens veulent manipuler. Coco Argenté fait partie d'une des artistes très condescendante, il faut lui dire, elle est condescendante, orgueilleuse, et je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs fois, on a tenté toutes les discussions, discuter avec son manager, lui aussi malheureusement, parce que nous avions le retour, je n'ai pas discuté à titre personnel, parce que j'évite souvent,
Mais j'avais le rapport dans les réunions avec des amis, j'avais le rapport comme quoi ce monsieur était très hostile et attaquait de manière très véhémente la base. Une fois l'action, et cette action j'y étais, nous avions annoncé qu'elle devait être bloquée, tout ça, on annonce toujours. Et pour le cas de Mons, on leur avait dit, on les a écrits sur Facebook, nous avions fait des sorties, où on disait même au promoteur culturel, qui est Guy Parker, et même à ceux qui les invitaient à Mons, ça c'est à Bruxelles, ils avaient un spectacle, qu'il ne faudrait pas accepter que Coco Argenté vienne prester. Parce qu'elle est dans la liste de la brigade anti-Sardina. Elle fait partie des artistes qui sont têtes, qui ont lancé non seulement un défi, mais qui estiment que elle va aller en affront, en affront hein, politique envers nous. Et nous n'allons pas lâcher. Je me rappelle que je faisais partie de la délégation ce jour. Nous sommes entrés avec toutes nos stratégies. Nous étions là. Ils étaient surpris. Et je tiens à vous rappeler que nous avons empêché qu'elle puisse prester, qui est manifestation. Nous avons empêché ça. Et ce jour, un des amis, parce qu'il faut le noter, de Guy Parker a sorti l'arme. Une arme hein, qui voulait tirer sur un de nos camarades. Malheureusement pour lui, ce qu'il faut rappeler, les gars de la basse, aussi vrai qu'on peut avoir la force de l'argument, nous avons aussi l'argument de notre force. Il a vu, ce monsieur a été neutralisé et ça allait dans tous les sens. Mais je vous assure, quand nous arrivons, le but pour nous, ce n'est pas de froisser un Camerounais ou d'agresser. Si vous voyez un des nôtres s'opposer, c'est qu'il est dans une posture de légitime de défense. Et c'est cela. Et lorsque nous avions empêché que c'était parce que tout le monde sortait, je vous assure, parce que moi j'y veille, quand je suis sur le terrain avec mes gars, je veille, parce qu'il y a de la provocation quand nous allons, il y a des gens qui nous provoquent, et je veille que les nôtres ne tombent dans cette colère. Donc je canalise, j'essaie de canaliser la colère, j'essaie de contrôler ou bien d'encadrer, etc., pour que nous ne passions pas la dérive, parce que nous sommes sur un combat politique. Et nous menons ce combat pour libérer les Camerounais, pour aider les Camerounais à comprendre les enjeux et enfin de cristalliser. Donc, pour nous, c'est un peu difficile. Les mêmes Camerounais dont nous voulons qu'ils prennent conscience de la situation de leur pays, nous ne pouvons pas les attaquer. Aucun problème. Alors, par après, comme ça a été gâté ce truc, le type, au lieu de rester dans une posture de dialogue, parce que c'est un mouvement, de manière individuelle, vous ne pouvez pas l'attaquer. Il est resté dans des invectives, dans des attaques sur la toile. Et quelques membres de la brigade lui rappelaient, monsieur, vous ne pouvez pas vous en sortir dans ce genre de demande. Au lieu de prôner le dialogue, je me rappelle, mais il menaçait. Mais par après, c'est fini. Parce que nous avions une discussion, parce que nous nous concertons dans la base, nous avions une discussion au niveau de la brigade anti-Sardina. Et nous nous sommes rendus compte que notre interpellation face aux artistes, comédiens, blogueurs, on ne leur demandait pas d'adhérer à un parti politique parce que les gens ont tellement manipulé. Et les gens ont même fait croire qu'on attaquait des artistes d'autres communautés. On refusait d'attaquer des trucs comme ça. Lorsque nous avions constaté que la plupart des artistes ont pris conscience, même Coco elle-même qui s'entêtait, elle a commencé à faire des posts pour dénoncer. Nous avons salué ça. Et d'ailleurs, Coco Argenté reste dans toutes les salles de l'Europe à l'heure où je vous parle. Elle n'est pas inquiétée. Pourquoi? Parce que nous avions décidé par après, vu les enjeux de 2025, et parce que les artistes ne sont pas notre finalité, ça aussi il faut le dire, ni les blogueurs, et parce qu'ils ont pris conscience, et ils sont en train de dénoncer, pour nous il était donc sage de s'asseoir à l'opération de boycott envers les artistes. Et vous allez donc constater que depuis, la brigade anti-Sardina ne boycotte plus les promoteurs culturels et les artistes. Ils se produisent. Pourquoi? Parce que la plupart des artistes, vous avez vu, Ben Descar avait fait un post où il demandait aux Camerounais d'aller s'inscrire. Il y a beaucoup, les Belkatobi qui s'opposaient à nous, aujourd'hui, chantent un peu partout. Et d'ailleurs, le 14 septembre, est-ce qu'il va se passer avec le concert de Vassero, je vous encourage à prendre les tickets, ceux qui n'ont pas encore pris. Mais quand Toby sera là, il va chanter, il est même venu marcher avec nous. Lorsque nous avions organisé la marche pour soutenir les enseignants,
pense qu'ils ont compris. Donc, on ne fait pas de fixation sur les individus. Le but, c'était de les interpeller, de dire, mais il va falloir, à un moment, n'abandonner pas ce peuple. Et c'est une réalité. On a vu pour le cas du Nigeria. Le Nigeria, en ce moment, traverse une situation sociopolitique difficile. Moi, j'ai vu une vidéo qui a été largement partagée, où Davido, cet artiste, le jeune artiste Davido que vous connaissez, lors de la manifestation où le peuple sortait pour dénoncer la gestion de ceux qui gèrent le Nigeria, Davido fait une vidéo par lui-même où il est à côté du peuple, il manifeste. Il n'est pas mort pour ça. Parce qu'il sait qu'il puise sa force auprès de ce peuple. Et c'est ce que nous demandons à nos artistes. Donc, cette histoire est passée, c'est depuis des mois. Coco Agenté chante, elle se produit, la BAC ne l'a jamais attaqué. Mais ce matin, moi, je me lève. On m'appelle. Stéphane. C'est une promotrice culturelle qui m'appelle. Je vais taire le nom. Stéphane. Ben, il y a Guy Parker qui se plaint qu'on l'a agressé, mais comment ça, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, mais écoute, je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Aucune opération ne peut être menée dans la brigade anti-Sardina, je ne suis au courant. Nous sommes toujours au courant. On fait des réunions de préparation lorsque nous menions des actions. C'est toi qui m'informes. Elle me dit, ah bon, je dis, tu m'informes de l'agression de Guy Parker. Elle me dit, mais parce que ce Guy a fait un post, il faut que vous écoutez ce qui se passe. C'est très important. Parce qu'on doit dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, ok. Elle a dit dans un post. Ok. Donc, Baron a dit dans un post. Oui, c'est Baron qui m'appelle, Baron de Suisse. La Baronne de Suisse. Ok, comme elle a dit dans un post, je peux nommer. Comme vous l'aviez nommé. Parce que j'aime, moi je sais pas, je suis le genre à protéger souvent quand je discute avec, j'aime pas souvent. Mais comme vous le dites, tant mieux. Alors, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe, hein. Il faut comprendre, je vais vous expliquer les enjeux derrière ce qui se passe derrière ce gars. Et vous allez écouter, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi depuis un certain temps, il y a une rhétorique qui est développée. On dit que nous sommes violents. Ah, ok, merci Victorine, merci. Donc, elle a appelé mon nom, elle m'a eu au téléphone, oui. Baron m'a appelé. Ok, donc je peux balancer ça. Il y a une rhétorique qui est développée, que nous sommes violents, agressifs. Mais il faut qu'on va expliquer tout ça. Et c'est grave. Elle m'appelle, elle me dit, Guy Parker. Je dis, oui, j'ai entendu, je me rappelle à l'époque. Je dis, Baron, tu connais notre monde préparatoire. Je ne pense pas. Je lui dis, mais t'inquiète. J'appelle mes gars, ceux qui gèrent Bruxelles. J'ai justement un des responsables de la brigade anti-Sardina à Bruxelles. Je lui dis, mais écoute, mais il paraîtrait qu'il y a une opération qui a été faite. L'autre état, il dit, ah bon, non. Il dit, non, c'est pas la base. Il me dit, oui, j'ai eu vent. C'est pas la basse. C'est une histoire de femme. Qui est ça? Je dis, ah bon? Il me dit, c'est une histoire de femme. Et il est. Et le gars me dit, il est convaincu. Je dis, ok. Moi, je l'appelais pour juste savoir s'il y a eu mouvement. Parce que, quand il y a mouvement, il fait partie de ceux qui organisent toute la stratégie. Il me confie qu'il n'y a rien du tout. Je rappelle la baronne, je lui dis la baronne, écoute, mes gars ne sont ni associés, ne sont ni à aucun mouvement. D'ailleurs, il faut même le préciser, hein. Nous devions effectuer un déplacement pour le week-end. Il y a des choses qui se passent souvent, c'est souvent bien. Nous devions être, vous avez vu, la brigade n'a pas effectué de déplacement à Genève. Ce week-end, peut-être pour certains qui ont vidéo, on n'a pas effectué, nous, vous nous avez vu, on n'a pas effectué de déplacement à Genève. Parce que la plupart de nos gars sont en vacances. Beaucoup sont en train de revenir à toute urgence. C'est depuis Ziala.
La plupart ne sont pas là. Beaucoup sont en vacances. Donc je rappelle la baronne, je lui dis non, c'est pas un gars, il n'y a aucune opération qui a été menée. Et d'ailleurs, quand la basse mène une opération, elle va publier la vidéo. Il y a toujours quelqu'un qui va filmer. On va balancer ça un peu partout. Pour démontrer comment on a ridiculisé quelqu'un. C'est pas le mode opératoire. Nous, on n'est pas là pour attaquer des individualités. C'est pas les règlements de compte. Ça, vraiment, on est préparé. Donc, on est construit. Et quiconque se donne à ce jeu, il est excommunié au milieu de nous. On est catégorique par rapport à ça. Je fais partie de ceux qui rappellent aux nôtres que la brigade anti-Sardina est un mouvement des activistes. Mais nous exerçons sur le champ politique. Toutes les actions que vous posez, il faut savoir qu'il y a une dimension communicationnelle derrière. Vous pouvez poser des actes qui peuvent entacher notre cause. Donc, évitez. C'est pour ça que nous canalisons les colères. Avant de sortir, nous éduquerons, nous canalisons, nous expliquerons les enjeux et nous répétons à nos gars, même si vous êtes provoqué, même si vous êtes attaqué, canalisez votre colère. Et quand nous allons sur le terrain et que nous menons une action, nous prenons le soin de balancer les vidéos. Je suis entré dans le fora, un peu partout déjà. Aucune vidéo. Aucune vidéo. Je lui dis, elle me dit, ok, tu as raison Stéphane. Je pense que tu as raison. Je dis, c'est une manipulation. Ce qui se passe, c'est une grosse manipulation. Quelques minutes. 30 minutes après. La baronne m'appelle. Elle m'envoie deux images. Elle me dit, le gars dit qu'il a identifié parmi les cinq personnes qui l'ont agressé, deux individus. Je dis, pardon. Je regarde, je dis, mais oui, ce sont mes gars, je connais. Et d'ailleurs, j'ai appelé un ce matin pour demander. Je vois la photo de Joseph Bamou. Je vois la photo de Kamel Kodia. Ce sont des responsables ici de la brigade anti-Sardina en Belgique. Je dis, écoute, baron, je vais appeler. J'appelle encore Kamel Kodia. Je dis, gars, le gars, il me dit, Stéphane, je suis au poil le samedi. Et après, moi, je suis avec ma petite famille. Toi-même, tu sais comment ça. Je dis, mais oui, je suis dépassé. Comment le gars. Il me dit, dis donc, gars, qui parle porter plainte? Il y a les emails, il y a les vidéos partout. Qui parle porter plainte? C'est quoi cette histoire? Je dis, moi-même, ça me surprend, mais comment vous appelez donner le nom? J'appelle Joseph. Direct. Gars, c'est comment? Il me dit, je suis là. Je dis oui, j'appelle. Il dit, Stéphane, oui, je viens d'entrer là. Je n'étais pas là. Parce que lui, il travaille. Il a travaillé, oui, il reste au travail, il dort souvent, son conduit, tout ça, il peut rentrer. Donc, tout le week-end, il a travaillé. Il n'est pas chez lui. Donc, il est arrivé ce matin. Je lui dis, mais ton nom est cité comme quoi on t'a identifié dans l'agression. Et Joseph, il me dit, Joe, il y a les caméras partout, non? Il a porté plainte. Aussi simple. Si c'est établi que sur moi, les caméras, les vidéos, s'il y a des éléments, il n'y a pas de souci. On pouvait. Je dis, ok, ça me rassure. J'appelle la baronne. Je dis, la baronne, mes gars ne sont aucunement associés à cette histoire. Si c'est une manipulation, c'est grave. Je vais dans le poste de Guy Parker, que je vais lire pour vous. Ça, c'est le poste qu'il a depuis le matin. Chers amis, je tiens à vous informer que j'ai une fois de plus traversé une épreuve difficile hier soir à Bruxelles. Parce que ce qu'il faut rappeler, à l'époque, on boycottait l'autre, Coco Agenté. Il était très zélé, c'est lui qui n'aidait même pas ce Coco Agenté. C'est que les gars l'en voulaient beaucoup. Mais c'est passé par après, Coco a même chanté. En Suisse, je me rappelle, il y a un de mes aînés que j'affectionne beaucoup, qui m'avait même appelé, qui était dans l'organisation de la soirée de Suisse, que vous aviez été invité. J'ai même porté ce problème, plaidé auprès de nos camarades, que laissons qu'elle preste. Et justement, les camarades ont adhéré, on a laissé, elle a chanté en Suisse.
Et c'était la période où c'était trop chaud, on en voulait. Mais c'est ce Pâques qui était très gesticulé, qui n'avait pas de propos pour apaiser, atténuer. Et je me rappelle, j'avais dit, mais dites à votre individu là, lorsqu'on est en train d'apaiser les choses, que lui aussi il essaie de faire, il n'aide pas cette fille. Si c'est un manager, c'est pas bon. Parce qu'il ne peut pas s'opposer à un mouvement politique tel que la basse. C'est impossible. Mais elle a chanté, on n'a pas dérangé. Après, Suisse, elle a chanté partout, on n'a plus jamais dérangé. Et nous-mêmes, nous avons estimé qu'on va temporiser. Si la basse se lève contre un artiste aujourd'hui, là, sachez que l'artiste, c'est un artiste zélé et payé pour nous provoquer. Si la basse le fait, c'est que l'artiste veut nous défier, est dans un jeu politique instrumentalisé par les barons de Yaoundé. C'est comme ça que la basse peut attaquer. Et on les connaît, ces artistes. Mais les autres, on s'en fout. Donc, faisons ce poste, j'ai été couvert, il dit, j'ai été violemment agressé par un groupe de 6 personnes qui se revendiquaient appartenir à la basse. Que les gars ont dit qu'ils se revendiquent appartenir à la basse. Je ne sais pas quels sont ces gars. Ils m'ont attaqué avec une violence inouïe. J'ai été couvert de farine, aspergé d'alcool, puis violemment frappé à la tête avec une bouteille. Je sors de cette attaque avec des graves blessures à la tête et je me trouve aujourd'hui fragilisé avec plusieurs semaines d'incapacité de travail. Je suis venu à Bruxelles pour soutenir la culture. C'est bien, frère. Mais je retournerai chez moi marqué physiquement et moralement. Ces individus sans foi ni loi qui choisissent d'attaquer des innocents au nom de la politique ne doivent pas croire qu'ils pourront changer les choses par la violence. Pas que entre dans un discours politique. Pas que dit que ceux qui ont revendiqué sont de la basse. Je vais vous expliquer par après. Partagez les directs, pardon. Partagez, multipliez. Invitez tous ceux qui viennent écouter. On va vous expliquer. Pas que maintenant, fait une analyse. En fait, il pose une lecture politique. Pas que s'incruste en politique. Vous allez voir la grande manipulation. Ces individus sans foi ni loi qui choisissent d'attaquer des innocents au nom de la politique ne doivent pas croire qu'ils pourront changer les choses par la violence. Le sang que j'ai versé innocemment ne restera pas impuni. C'est triste les agissements de certains de nos frères camerounais en diaspora, mais je respecte résolu. La violence ne triomphera jamais. Pas que sans prendre de distance ni de recul, identifie ses agresseurs comme étant les éléments de la brigade anti-Sardina. Ok. Moi, quand on m'envoie le truc, je dis vite fait, j'entre dans le poste. Oh là là. Donc, une heure après, j'entre dans le poste, dans son poste. J'écris ceci. Écoutez ce que je dis. Monsieur Guy Parfait, Guy Parker, j'apprends à l'instant votre agression et je condamne fermement. Mais je peux vous rappeler que vous allez un peu vite dans vos accusations, car le mode opératoire de la basse ne se fait jamais ainsi. Nous n'avons jamais agressé physiquement jusqu'à défigurer un individu, en tout cas en ce qui me concerne. Depuis que j'ai participé, j'étais auprès de la brigade anti-Sardina. Nous ne l'avions jamais fait. Nous ne l'avions jamais fait. Et je n'ai jamais accepté les cas de violence. La dernière opération que nous avions menée, le 6 novembre, lorsque le rassemblement, le RDPC, s'est rassemblé pour célébrer l'avènement de leur champion à la tête du Cameroun. Nous sommes allés, je vous assure, on a juste, nos camarades ont renversé les chaises, versé du sang coloré, etc. On n'a touché personne. Je dis physiquement, nous n'avons attaqué personne. C'est ceux qui venaient, croyant qu'ils étaient forts, voulant attaquer certains de nos camarades. Et nos camarades, dans une position de légitime défense, neutralisaient ces individus. Mais personne n'est jamais sorti de là, étant couché
à l'hôpital, ayant des blessures. Faut le dire. Il faut le dire, il faut le marteler. Partagez. Je dis, nous, car le mode opératoire de la basse ne se fait jamais ainsi. Je suis le porte-parole de la brigade, c'est moi qui vous parle. Nous prenons toujours le soin de discuter. Et ça, c'est clair. C'est une règle chez nous. Le dialogue. Le dialogue, c'est très important. Ou de prévenir ceux que nous voulons boycotter. On prévient toujours. En termes juridiques. Une sommation. Nous discutons ou de prévenir ceux que nous voulons boycotter. Donc, je suis convaincu que vous avez autre problème. C'est ce que moi je lui dis. Je suppose que c'est un règlement de compte avec votre entourage. Et bien sûr, dans les enquêtes qui nous reviennent, il semblerait que ce monsieur a ses problèmes. Oh, oh. Il a ses problèmes oh, avec son truc. Et les femmes aussi, machin truc, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est peut-être la rumeur. Mais ceux qui le connaissent disent que c'est une histoire de femme. Qui ne manipule personne. Il y a une histoire de femme dans son histoire-là. Je suppose que c'est un règlement de compte avec votre entourage. Je dis non, non, c'est pas la basse. Ne tombez pas dans cette instrumentalisation. Ce sont mes propos dans son poste. Car, depuis lors, la basse a décidé pour l'instant, de s'asseoir à la contestation contre les artistes et les promoteurs culturels. Si vous persistez dans vos accusations, je lui dis, s'il persiste dans ces accusations, n'hésitez pas à nous fournir quelques indices pour qu'ensemble, nous collaborions à dénoncer cela et de permettre à la justice de faire toute la lumière sur ce dossier. Et je lui dis, Parker, si tu m'écoutes, je m'engage personnellement. À titre personnel, je m'engage, le porte-parole, je dis à titre personnel, de vous accompagner, cher monsieur. Car la violence n'est nullement notre éthique. Prompt rétablissement. Parker, au-delà de points de divergence, nous ne pouvons pas accepter, moi-même à titre personnel, accepter telle agression. Si ça avérait que vous avez les éléments, vous aviez des vidéos, vraiment, posez-le, ou bien que la justice, vraiment, mais si c'est un des nôtres, je vous assure, pour ce qui nous est cher dans ce combat, ils seront chassés du milieu d'entre nous. Nous allons nous désolidariser de ces personnes, car ce n'est pas ce combat que nous prenons. Et on est clair. Nous sommes contre toute forme de violence. Il faut le préciser. D'où elle vient. On ne peut pas critiquer ceux qui gèrent ce pays et admettre que ce genre de choses se reproduisent. Mais de quel Cameroun voulons-nous? Écoutez ce qu'il vient dire. Parce que dans son poste, il ne numère pas. Mais quelques heures après, il vient me répondre. Donc, il y a une différence de 2 heures de temps. 2h30 comme ça. Pas qu'elle revient avec cet élément. Il peut me répondre. Stéphane Tchoumou, cher frère, il s'agit des personnes identifiées telles que Kamel Kodia, Joseph Bamou et sa suite qui appartiennent bien à la basse. Merci de te rapprocher d'eux pour en savoir plus. Dans son premier poste, où il fait le poste, il ne mentionne pas le nom de Joseph Bamou. Il ne mentionne pas Kamel Kodia qu'il a identifié. Quand je viens, je réponds. Il vient après, il donne le nom de Kamel Kodia et Joseph Bamou. Qui est Joseph Bamou et Kamel Kodia? Ces deux camarades de lutte qui ont décidé d'encadrer les jeunes qui appartiennent à la base au niveau de la Belgique.
Et Joseph Bamou et Kamel Kodja sont contestés par les anciens qui étaient dans la basse. Je ne vais pas citer les noms. Ah, c'est grave ça. Il y a des choses, hein. Ne soyez pas naïfs, chers frères. Je vous ai dit, quand Paul Biya renvoie l'élection municipale, législative, de 2025, il ne renvoie pas pour empêcher Maurice Kamto. Parce qu'il sait, d'une manière ou d'une autre, le président Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est une certitude mathématique. Nous, on a compris ça par après. Mais pourquoi ils ont décidé de prolonger la mandature des députés et de reporter ces élections? En réalité, c'est que le régime est conscient que les Camerounais sont en train de cristalliser la frustration et puisque le dispositif sécuritaire ne contrôle pas encore tous les leviers ou bien les velléités de contestation qui peuvent émerger. Parce que si on engage cette élection, parce que le RDPC, dans leur gène, la fraude est innée. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et s'ils essayent de frauder pour les élections en février, là, on risque de passer à une période d'ingouvernabilité qui risque de précipiter le départ de Paul Biya. Ils comprennent donc les enjeux. Ils repoussent les élections dans le but. Vous allez voir que depuis un certain temps, il y a une répression démesurée contre les leaders du MRC. Comme ça, je dis à Adair, protégez-vous. La presse camerounaise, il y a une répression. La diaspora, la basse, il y a une répression qui est engagée. Le régime de Biya veut se rassurer qu'ils vont mettre hors d'état de nuit toutes les vérités qu'on testataire avant les élections, avant d'aller à l'élection. Et ils se sont dit, ils ont un an pour préparer ce travail. Et qu'est-ce qui se passe? Hey, vous qui vous amusez là, blaguez. Moi, on me connaît, je ne fais pas de cadeaux, je suis ami avec personne à longueur de combi. Je le répète. Mon meilleur ami, c'est le combat. Ma première femme, c'est le combat. Mon Dieu, c'est le combat. À nos guettes combi. Parce que quoi? La loyauté d'aujourd'hui peut devenir la trahison de demain. Les enjeux changent. Les intérêts changent du jour au lendemain. Qu'est-ce qui est devenu? Qu'est devenu Ipe Gombo? Vous racontez n'importe quoi. Mais Ipe Gombo avait un bon discours, non? Il était loyal, non? Envers le combat, non? Dis que tu ouf, me parler, ouf. Ouf, me parle. Mais les intérêts du lendemain qui se présentaient à Ipe Gombo, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a lâché. Faut le dire. Dans le mouvement, vous avez des gens qui se disent être combattants, mais qui travaillent en étroite collaboration avec le régime en place. Si tu es bête, idiot, tu penses que tout le monde qui s'appelle combattant, c'est un combattant, c'est ton problème. À nous, get compris. On me connaît pour ça. J'ai des gens que je hais dans le cadre de ce combat. Je ne donne même pas l'espace. Ne m'amuse pas. On me connaît pour ça. C'est pour ça qu'on veut la tête de Stéphane. Toi, tu crois que les gens qui viennent là, c'est qui, mais... Non! Stéphane, merci pour le... Mouf! On les connaît. Le but, c'est notre tête. Parce qu'ils savent. Là où ils ont glissé, ils sont tombés. Nous, on a dit, on ne peut pas. On ne glisse pas, on ne tombe pas. Pour ce qui nous est cher. Et c'est qu'on donne les informations matin, midi, soir. De toutes vos positions. Et vous venez être complaisant avec eux. Leur donner vos stratégies. Les associer dans vos groupes de travail. Pardon, je ne viens pas.
Tchoumou, et à Réunion, vraiment on a besoin de toi. Il faut. Il dit pardon. Il y a qui là-bas? Oh mais yate, je ne viens pas. Tchoumou, tu te sens? Oui, je me sens. Je suis orgueilleux, je me sens. Moi j'ai une casquette et une personnalité à préserver. C'est toi. Tu es bizarre. Un Jean-Jean. C'est ton problème. Nous là. On ne donne pas notre image à n'importe qui. Mouf. Tu envoies tes limites. Nous, on te chasse auprès de nous. Pour que ce soit clair. Merci frère. Je bois de l'eau. On n'est pas là. On n'est pas amis. Les gens sont là, on se fait un travail. Les gens se plaignent. Et les petites choses. Les gens font les panels sur TikTok. Et insulter les tubos. J'ai un là que j'aime beaucoup. Que j'ai. Le gars n'a pas dit que j'ai dit que j'ai donné l'argent à quelqu'un pour. J'étais dépassé. Mon frère, quand vous restez dans des petites choses comme ça, nous on vous fuit. Parce que vos frustrations peuvent entretenir la trahison. Je t'ai fait quoi? Nous, nous voulons juste le travail pour aider, on conscientise. Mais toi, tu ouvres le panel pour nous insulter, pour dire qu'on est des traîtres, on est ceci. Et tu veux qu'on t'associe à nous dans le travail. Tu es dangereux. Nous, on ne parle pas de toi. Nous, on se rassure chaque jour. Le combat, comment ça va changer pour le Cameroun? Mais toi, tu es dans des petites choses. Quand tu ouvres ton direct pour parler, toute ta communication, on doit venir gérer tes incompétences. Les choses qu'on ne dit pas en public, qu'on ne parle pas. Vous connaissez, il y a un Dani, Almeida Dani, c'est un petit Africain, un jeune Africain là. Il fait beaucoup de lectures géopolitiques. Vous avez souvent ces vidéos, ces petites vidéos. Je crois que c'est Almeida Dani. Dani a fait une sortie sur le cas du Cameroun. L'autre jour, j'étais choqué. J'ai fait le commentaire, j'ai exclamé. On est souvent sur TikTok. Et il est souvent sur la plateforme. Je le cherchais partout. Parce que moi là, même mes amis africains, tu analyses le Cameroun un jour là. Si tu es ma personne, je te cherche pour t'allumer, pour te dire que non. Et justement, je suis allé dans un panel. Il était là. J'ai envoyé vite la demande. Je ne sais pas s'il m'a vu. Il dit seulement à celle qui organisait le truc. C'était les Maliens. Ils étaient 900. Il dit, je m'en vais, j'ai fini. Quand je suis monté, celle qui organise le panel me connaît. Belle fille. Elle me fait monter. Je dis, ben, on me donne la parole. J'ai dit, belle fille, je suis monté parce que je cherchais Dani. Oh, mais il est parti, je vais l'attraper. Bon, je pense qu'il ne savait pas que venait pour lui. Ça aussi, il faut le dire. Mais j'ai laissé le message, il dit, Dani, moi, je te cherche, mais je vais t'attraper dans un palais. Parce que la lecture que tu as fait, où tu accuses que l'opposition camerounaise veut créer la déstabilisation, ça veut dire que tu nous accuses. Toi, tu sais très bien que je suis contre ces gars, les agents français, là, tous. Et tu sais bien que pour le cas du Cameroun, si la France ou bien l'Occident nous soutenait, c'est qu'on a le pouvoir là depuis. Parce que tu sais comment ils font. Mais ils ne veulent pas, parce que nous, on n'est pas d'accord avec leur connerie là. Mais tu ne peux pas faire une analyse aussi péremptoire, venir accuser l'opposition et tu n'ignores pas. Tania m'appelle hier, avec Momo, tout ça. On nous posons le problème à Tania. Tania dit, mais je sais que Dani est contre eux, Paul Biya. Dani me reconnaît, il n'accepte même pas que Paul Biya soit panafricain. Mais je dis, Tania, attends, on t'envoie la vidéo. Elle écoute ça. Elle appelle Dani, elle dit, Dani, les Stéphane et Momo veulent te manger. Hier, non, il est venu. On a discuté au téléphone. Parce qu'il faut toujours s'entendre. Entre nous, on se comprend pourquoi. J'ai dit, mais Dani, j'ai vu le truc. Tu as fait une sortie à charge. J'ai dit, Dani, et tu es... Mais, cette sortie... Mais, man, j'apprécie souvent ta lecture géopolitique. Et tu as un sens d'objectivité. Mais pour le cas du Cameroun, tu veux aussi devenir comme les Nathalie Yap. Dani, tu es proche de Kémy Séba. Mais c'est pas Kémy Séba ne fait pas ça. Je risque d'appeler Kémy Séba pour lui dire, mais c'est quoi ça? C'est là où Dani me dit, Stéphane, je t'explique. Je suis passé dans un panel. Les gars disaient, on va prendre les armes, on va faire ceci et tout. On va
se revendique d'être de l'opposition. Mais je lui dis, Dani, tu connais mon discours. Et tu connais le discours de plusieurs. Et pour le cas du Cameroun, quand tu parles d'opposition, tu parles de qui? Il me dit Maurice Kamto, évidemment. Mais tu connais le discours de ce monsieur, non? Pas les unes et dans la paix. Mais d'où vient-il? Dans une plateforme comme TikTok, où quelqu'un peut ouvrir sa caméra et raconter n'importe quoi. En quoi les dés de cet individu, tu imputes la responsabilité à l'opposition camerounaise? Alors que tu sais que ça, c'est tout un bordel. Il y a des gens qui ne comprennent rien de la communication. Pense à nous autres. C'est là où il me dit, wow, et tu ne t'es pas nuancé. Je dis, Dani, si tu n'es pas, si quelqu'un n'est pas camerounais, t'écoute. Il dit, mais j'ai pas apprécié Paul Biya. Je dis, non, il ne s'agit pas. Même le RDP, c'est apprécié pour Paul Biya. Le RDPC vient, mais il dit, oui, on sait que Paul Biya a échoué. Voilà la rhétorique du RDPC. Il vient et il dit, oui, oui, nous savons. Nous savons comment le RDPC a échoué, Paul Biya, oui, machin. Après, ils disent, messieurs d'en face, ils sont violents, ils sont ceci. C'est les agents français, ils vont. J'ai dit, méfie-toi, Dani, on a communication. C'est là où il s'excuse. Il dit, Stéphane, tu as raison, tu n'as pas vu ça comme ça. Frère, j'ai lu. Parce qu'il a dit, Dani, sûrement tu as goûté l'huile de la sardine. C'était hier. Tu as goûté. Il dit, Stéphane, pour ce qui me cherche, je n'ai pas goûté. D'ailleurs, je n'ai pas supprimé ce direct. Il a supprimé, sans tenir en conversation, il a supprimé le direct, cette vidéo. Je lui ai dit, je comprends ta sincérité, Dani. Ça me fait plaisir. Il dit, Stéphane, je ne peux pas. J'ai une partie. Parce qu'il est Camerounais-Gabonais. Il dit, Stéphane, je ne peux pas. Je n'avais pas pensé. Mais c'est parce qu'il y a des individus qui sont souvent sur le panel camerounais qui tiennent des propos. Frère, quand vous dites, partout là, mesurez ce qui sort de vos bouches. Parce qu'on ne va pas gérer vos incompétences tout le temps. Et après, vous allez dire que les Stéphane ont créé un clan. Ils sont du clanisme. Moi, je ne peux pas m'asseoir, discuter avec des gens qui n'écoutent pas. Qui font comme si tout ce qui vient là, dans la tête, ils doivent balancer comme ça. Si tu prends le banga, je ne prends pas le banga, mon frère. La politique, ce n'est pas le banga. Ce n'est pas le banga, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas la folie. Il y a des choses qu'on n'évoque pas. Et voilà pourquoi ces rhétoriques sont développées un peu partout. Ils sont violents, ils sont ceci. C'est à cause de vous. Vous faites honte à ce qui nous est cher. Donc quand ce monsieur fait, Ketia Koutes, qu'elle est venue là, elle a mission. Ce garçon, les noms qu'ils sont là, parce que c'est le vrai nom de Bamou, personne ne connaît Joseph Bamou. C'est les gars de la base qui donnent le nom à ce monsieur en lui disant, ce sont ces gars, pour instrumentaliser et mettre une dimension politique dans cette affaire. C'est faux. Dis, je connais mes gars. On ne dit pas le bois, le kadji. Mais pour ce qui nous est cher, ces gars, c'est un mensonge. Ils ne sont rien derrière cette histoire. Mais comme tu veux mettre une dimension politique, parce que les gars sont en mission en diaspora, n'oubliez pas ça les gars, on va poser des actes pour vouloir incriminer cela à la brigade anti-sardine dans le but de nous discréditer et aller écouter le discours de nos contradicteurs. Ils sont violents. Ils n'écoutent pas. C'est un construit. Et je suis choqué de voir certaines personnes se dire être neutre, tomber dans ce piège. Je suis choqué de voir que certains d'entre nous, quand on leur dit « mesurez votre langage », ils ne comprennent pas. J'ai grondé tout à l'heure une des nôtres qui m'est chère, que j'aime bien. Elle fait le travail. Elle pleure au téléphone. Je lui ai dit, on m'a dit, tu te lèves le matin. Vous avez un duo de deux personnes. Vous faites des directs, vous insultez les mamans des gens. En fait, ce n'est pas ça le modèle de Cameroun que nous voulons. Arrête! Si tu penses nous aimer, si tu penses aimer ce combat, ne reproduis pas ce que les autres font. Ce n'est pas notre éthique. Je lui ai dit, tu continues, tu seras chassé du milieu d'entre nous. Elles se reconnaissent. Je les aime fortement, ces deux femmes. Mais si vous aimez ce combat, est-ce que vous nous aimez? Et si vous... Je ne suis pas maître de votre pensée. Mais si un seul instant, vous nous aimez, vous aimez ce qu'on fait comme travail, et que vous aimez ce combat,
vos caméras pour insulter les gens. Faites ce que les gars du RDPC. Vous êtes devenu la milliardaire il y a une femme là, la milliardaire du RDPC. Elle nous insulte et distille la haine. Mais vous ne pouvez pas faire pareil. On m'a dit ça depuis 3 jours. On m'a interpellé, j'ai voulu dormir et fermer les yeux dessus. Mais ils m'ont envoyé la vidéo. J'étais choqué. Et vous dites que vous êtes des nôtres. Vous ouvrez le panel. Vous insultez les fesses des mamans, les papas, les conneries comme ça. Et vous voulez qu'on marche avec vous. Vous voulez qu'on vous accepte au milieu de nous. Vous voulez qu'on marche, on fera le chemin. Jamais. Même si je vous aime et que je vous adore. Pour ce qui m'est cher dans ce combat. Nous n'accepterons jamais que vous soyez aux côtés de nous. Soyez des exemples et des modèles. Même quand je veux bavarder ou bien gronder, j'ai une mesure. J'ai une mesure. Même mes contradicteurs, quand je gronde, même s'ils le disent, allez demander à mes contradicteurs, même les gars du RDPC. En dépit de tout, Stéphane aime beaucoup le Cameroun. Ils le disent tout le temps. C'est pour ça que quand je gronde même les gars du RDPC, c'est pas net. Ils se calment, ils se taisent. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas la haine dans le cœur. Et c'est canalisé. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir. Arrêtez ça. Le matin, vous à deux. Elle a pleuré au téléphone. J'ai dit non, ne m'appelle pas Foulkan. Foulkan ne m'appelle plus. Si tu estimes que tu es ma personne, que tu aimes ce combat-là, tu ne peux pas te lever dans les panneaux. Tu insultes les mamans des gens. Tu reproduis la même phraseologie que les autres. Ça, j'ai un horreur. Soyons disciplinés. Et les gens viennent dire, vous formez des clans. On ne forme pas des clans. Les gens s'associent parce qu'ils ont des valeurs communes qu'ils partagent ensemble. Voilà. Et l'association devient automatique. C'est vos caractères, vos comportements qui vous excluent de ce milieu. Si vous n'êtes pas conscient que Yaoundé a payé des gens pour déstabiliser notre combat, hey, méfiez-vous. Nous allons vous recadrer. Il faut qu'on soit dur avec vous. Je ne peux pas tolérer. Vous voyez, il y a des gens que j'aime beaucoup, qui viennent souvent intervenir sur les panels. Quand ils veulent paix, je dis stop. Stop pour ce discours. Stop. Il faut une éducation politique. Ne donnez pas les éléments. Et aujourd'hui, on va agresser cet individu. Peut-être que c'est les gens de Yaoundé qui l'ont fait. Pour l'imputer à la base, en complicité avec certains qui se disent être combattants. On sait ce qui se passe. On sait les coups de fil que vous aviez fait. On a tous les éléments. Parce que vous êtes disqualifiés. Vos caractères, votre comportement, vous venez disqualifier les autres. Vous accusez les nobles combattants. Kamel Debout et Joseph Bamou. Parce que vous n'aviez pas digéré. C'est eux qui donnent le nom à ce monsieur parce qu'il n'a pas communiqué avant. Mais Yaoundé a ses gars dans le combat. Quand voit donc vous vous embrassez, vous faites, je ris dans mon cœur. J'ai dit, continuez toujours. Ça va vous, mais nous autres, nous n'allons jamais vous donner l'occasion de nous piéger ou bien de nous coincer. Jamais. Excusez-moi. Comme par où avez-vous? Jamais. Et ils savent. Je les hais. Je vous hais. Vous êtes tout ce que j'ai en horreur. En détestation. Je vous hais. Et ils ne partent pas. Vous êtes là. Vous les embrassez. Vous êtes où? Vous êtes qui? Les idiots. Ils vont vous prendre vous tous. Avant 2025. Je vous ai toujours dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'il faut bien doit partir. Qui le pensent réellement. Il y a beaucoup qui sont en mission. Partout, ils sont en mission. Quand le comportement d'un combattant devient bizarre, mon frère, je te conseille un truc, même si tu te trompes, prends du recul.
Même si tu te trompes, pour te sauver, prends déjà le recul. Ouais. Moi, il y a mes amis que j'aime bien dans le combat. Quand ils se rapprochent trop de mes ennemis, je lui dis, ok, quand tu te rapproches trop, moi là, je ne gère plus ton couloir. Ah oui. Pas parce qu'il est infiltré. Par naïveté. Ceux avec qui ils se rapprochent ont un objectif. C'est pour nous abattre les nous autres. Et toi, par naïveté, tu penses qu'ils sont là véritablement pour le combat. Ils ont d'autres objectifs. Tu comprends pas. Et tu veux les embrasser. Moi, je ne te dis pas, je ne te dis rien. Moi, ils voient seulement. Je dis, ok, va avec tes nouveaux amis. Je me garde. Tu m'appelles, mais tu me sais. Je dis, oui, je suis là. Mais tu dis, mouf, je te vois, mouf. Je ne te dis pas. Mais je ne viens pas. Je prends recul. J'aime tellement ma vie que je ne peux pas accepter que ces gars la prennent comme ça. Jamais. Si tu veux plus les amitiés, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour les amitiés. Pardon. La politique même m'a fait, ça nous a chassé les amis. On est en paix. Oui. On est en paix. Mon frère, je dors tranquille. On est en paix. Mon seul ami, c'est la politique. Ma seule femme, c'est la politique. Tu entends ça? Même madame, ma chérie, qu'on va dire, hey, tais-toi, mouf. Mouf, tais-toi. Fais-nous quand. Tu ne donnes pas. Il y a les bois blancs partout. Oui. On ne va pas mourir. Tu veux, madame, ma chérie, refuse. Il y a les bois blancs. Et elles attendent. Je sais, c'est. Elles sont légion. Tu entends ça? On te crie même. Mon chéri, mon coco, Anibox. Vraiment, j'aime ce que tu fais. Parce que tu vois, là, tout le monde n'est pas là pour écouter le discours politique. Hein. Chacun a sa mission. D'autres, certains sont là pour d'autres objectifs. Tu entends ça? Ça fait aussi partie de la nature humaine. Moi, j'étais content quand j'étais vu aujourd'hui. Quand tu faisais le direct, ça, mon corps faisait un genre. J'ai dit, ah bon, okay, ça m'a fait plus que ça alors. Mais tu ne vois pas. Parce qu'on a peur. Ça a détruit le combat. Nous, on a peur. On te dit, ok, ça chauffe. Ok, bon, ça va aussi nous chauffer. On se chauffe. Oui, on t'a envoyé. Ouf. Ouf. Tu entends ça? Si tu n'es pas prudent, hey, les gars là ne nous aiment pas. On va te déstabiliser. Et tu penses que la déstabilisation va venir de Yaoundé? Tu te trompes. L'argent circule. L'argent circule. On va regarder toutes tes faiblesses. Les gars nous disent, mais toi, mais tu ne te sors même pas. On ne te voit pas. Je dis, moi, mouf, je sors pour faire quoi? Tu peux même pas. Le jour que je vais faire ma fête, tu es où tout là? J'ai mon truc, je suis DJ. Je suis passionné. J'ai mon truc ici encore fois. Deux fois là. Écoute ça. Nous là. Le combat, si nous a transformé que deux fois on reste. Le samedi, on met la musique. On est DJ. On prend. J'ai souvent mon truc que je fais. Je prépare, mais seul, je danse moi mes choses correctes, propres, je bois. J'invente les gens, j'imagine les gens autour de moi, ils font la fête. Après, je dors, je suis consolé. Dis que je suis fou. Ma voisine dit souvent que, il y a les gens là-bas, elle m'appelle. Mais j'entends les bruits, tu es quoi, tu es avec qui? Je suis seul. Est-ce que tu es devenu fou? Je dis non, je ne suis pas fou. Si tu veux, je t'invite à ma fête. Et moi, je fête chaque samedi. Correct, propre, c'est quoi? Parce que je veux parler dans les choses compliquées. Je mets ma musique là, j'anime moi-même, je danse, je fais mon petit repas. Je mets mon verre de vin, je bois, je danse, correct, je tape mon macro ça. Je me transporte, si je veux au Cameroun, si je veux voyager au Cameroun, dans mon esprit, je voyage, je me trouve au Cameroun. Tu vois, je sens mon mangando, propre, correct, je transpire. Si je veux aller en Côte d'Ivoire, je mets, si je vais aux États-Unis, je mets, si je vais au Niger, je cause ça correct. Après, transpire. Je bois ma chose. Je mange. Après, reste propre. Je dors.
Mais tu dis, j'ai dansé, non? Mais j'ai bu, non? J'ai mangé, c'est pas ce que tu fais là-bas, Théo. Tu me dis, non, tu n'as pas dragué les femmes. Mais elles m'écrivent, non? Moi aussi, je réponds, je fais le fil. Oui, ma chérie, je t'aime. Voilà, voilà, c'est tout. Mais on ne donne pas les nudes, oh. On ne fait pas comme certains combattants, là. On ne donne pas. On ne donne pas, nous, on ne se déshabille pas. On filme, on envoie. Non, on ne fait pas ça. Hein? Donc, nous, on vit ça. On vit ça. On construit ça dans la tête. On vit. Tu attends. T'es idiot. Et si ça ne va pas, il y a le bois blanc. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Oui, c'est quoi ça? Que les ancêtres nous donnent la force de comprendre ces choses. Tu attends. Qui nous donne la force? Donc, méfiez-vous. Si vous n'êtes pas conscient que le régime de Yaoundé, si vous n'êtes pas conscient de ça, que le régime de Yaoundé ont des relais au sein d'entre nous, il faut vous méfier. Donc, il n'est pas fait. Guy Parker, pardon. Nous condamnons cette agression parce qu'elle ne fait pas partie de notre éthique. Et nous sommes prêts à collaborer avec toi pour que vérité éclate. Mais néanmoins, de telles affirmations sans des éléments me posent problème. Et nous posent problème. Ce n'est pas le mode opératoire de la brigade anti-Sardina. Et si ça s'avère par après que tu n'as pas d'éléments, ah non, nous allons faire de ça un problème personnel. Ah non, Guy, nous allons faire de ça un problème. Parce qu'il faut prendre, laisse la justice faire son travail. Et nous sommes prêts à collaborer. L'instrumentalisation, méfiez-vous, Yaoundé est prêt à tout. Et si Yaoundé a décidé, Guy parfait. Parce que le lieu où tu es trouvé là, on nous a dit. Nous, on connaît le lieu là, à Bruxelles. C'est un lieu réputé du grand banditisme à Bruxelles, là où tu te trouvais, le restaurant là. C'est un lieu réputé de grand banditisme. Et peut-être tes problèmes de femme là, elle a pu récupérer quelques, ils n'ont rien à foutre. Quelques fumées de chambre, elle a payé, elle a donné son venir et elle a dit que c'est la basse. Ça peut être même certain qu'il veut détruire le leadership de la basse en Belgique. Qui ont pu payer ces gars et leur dit, allez vous revendiquer comme étant les gars de la basse. Et on t'a balancé le nom. Et dans son titre, dans ses commentaires, allez dans les commentaires, il y a un faux profil qui a balancé le nom des deux. Et nous, on connaît tout ce qui se passe. On n'est pas naïf. On sait quels sont ceux qui sont à la manœuvre. On veut détruire la basse parce que la basse Belgique est l'une des basses qui tient véritablement tout le combat. Aujourd'hui, elle est non seulement structurée, mais elle a des bras valides. Elle sait ce qu'elle veut. Les gars sont structurés là-bas. Il y a des gens qui estiment qu'il faut fragiliser la base de la Belgique. Parce que la base de la Belgique est l'une des bases. Lorsque certains imposteurs, parce qu'il faut le dire, se sont comportés un genre, on les a évacués. La base Belgique, au nom de ce qui est cher dans ce combat, ont décidé de reporter. Et vous voyez toutes les actions qu'ils mènent. Donc il y a un objectif à non seulement tenir l'image de la brigade anti-Sardina. Et nous avons vu des sorties à charge contre la brigade. Et des gens n'ont pas des éléments. J'ai vu des directs où des gens qui se revendiquent d'être de la base accusaient nos combattants, nos camarades. Accusaient nos amis, nos frères du combat. Nous l'avions fait. Il y a toute une préparation. Des gens sont là, payés par Yaoundé. Le but, c'est de nous fragiliser. Et quand on cite... Mais quand j'ai vu le nom de Kouyo, il était dépassé. J'ai vu le nom de... Bamou, après 23, je n'ai pas dehors. Si Bamou est dehors, après... Non. Il n'est pas dehors après 23 heures. Ce type n'est pas Nortamul. C'est que c'est le travail. Je connais structuré. Pareil pour Claudia. Et les actions ne peuvent pas se mener comme ça sans discuter.
Les gars ont l'éthique. Ils n'ont aucune rancune avec toi, Guy Parker. La preuve en est que Coco a fait, a presté même à Berger, après tout ce qui s'est passé, on n'a rien fait. Pas parce qu'on ne savait pas. C'est qu'on a décidé de s'asseoir sur cette histoire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent qu'ils le font. Ça va, je vais continuer. Ils sont intellectuellement structurés pour connaître et savoir que s'ils posent un tel acte, ça discrédite le mouvement de la brigade anti-assassinat. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Moi qui vous parle, je me désolidarise d'en accuser pas pour rien. Tu as eu ces noms après et on sait qui t'a donné ces noms. Parce qu'on veut fragiliser la base Belgique. Et vous allez voir, les Basques vont tomber. On ne parle pas encore. Moi, je ne me prononce pas. Mais nous sommes en train de récolter des éléments. Donc, Guy Parker, tu ne peux pas affirmer des choses. Parce que si tu avais ces éléments dans ton premier poste, tu allais directement mettre le nom de Kamel Claudia et de Joseph Bamou. Mais tu le mets 2h30 minutes après. Mais Guy Parker, on sait qui t'a donné ces noms. Et un faux profil qu'il a fait. On sait où ça sort cette histoire. Si Yaoundé vous a préparé pour empêcher, pour tuer le combat de la base, parce qu'ils savent, l'ennemi de ce régime, c'est la brigade anti-Sardinat. Et du coup, les gens sont même en train d'attaquer l'organisation politique de MRC. Regardez-moi ça. Un parti qui a vocation à gérer ce pays, vous croyez qu'ils auront le courage d'aller encourager de tels actes de barbarie et de violence? Mais vous seriez exposé, vous aurez honte. Et ceux qui sont payés par Coutès, ceux qui sont payés, qui travaillent avec Bankui, ceux qui travaillent avec la présidence là pour déstabiliser le mouvement ici, on vous a l'œil. Ne pensez pas qu'on est naïf par rapport à vos attitudes. Partout, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, on vous connaît. Il y a d'autres qui viennent de parler, ça c'est comme si c'est un autre. Tu les vois, tu penses que c'est la sainteté plus. Le soir, ils font des rapports, ils envoient à Yaoundé. On vous connaît. On vous laisse seulement jouer. On vous connaît. Et la chance, j'aime toujours dire, le serpent, il est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est pas dangereux. Tout le monde vous connaît. Vous dites que vous êtes du combat. On sait tout ce que vous faites. Les panels, quand vous ouvrez, vous, on sait, on vous connaît. Monsieur Guy Parker, vous seriez déçu, vous auriez honte. Je prie que la justice exploite les vidéos que vous aviez. Mais je suis à 99% convaincu que mes camarades ne sont associés nullement à cet acte d'agression. Cessez de manipuler l'opinion. C'est une histoire de règlement de compte. Gérez vos coquettes. Il faut bien discipliner votre coquette. Permettez-moi de vous le dire. Si vous disciplinez votre coquette, vous n'arrivez pas à ce genre de truc. Les gens qui le font, on a des informations qui reviennent aussi. Hein. On sait ce qui se passe. Disciplinez votre quéquette. Ça, c'est clair. Ok, les amis. Voilà la communication qui était faite. Jeudi, nous allons recevoir sur le panel, sur TikTok, bien sûr, un cadre. Un cadre dans un parti politique qui va communier avec nous. Ça va être jeudi à 19h. Donc, nous allons préparer ça. Donc, soyez ce jeudi. Soyez au rendez-vous ce jeudi. Mais entre-temps, s'il y a de l'actualité ou bien des événements, nous ne manquerons pas de communiquer. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Je ne vais pas faire monter ce soir parce que je suis fatigué. Personnellement, il fallait que j'évacue cette question et qu'on puisse répondre. Merci pour vous qui avez été nombreux. Écoutez, Vassira son conseil. Il faut... Ne m'appelle pas, pardon. Vassira son conseil. Il faut prendre vos tickets parce que ça se discute. Parce que ce concert, c'est un concert. Moi, je l'ai baptisé personnellement le temps de réparation. C'est quelque chose de formidable. Il ne faut pas m'appeler, il ne faut pas m'appeler. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Le temps de préparation. Prenez vos tickets, c'est le 14 septembre, ça va être sur Paris. Le 15, je parle de 15. Non, le 14 septembre sur Paris.
N'hésitez pas à prendre vos tickets, encourageons la séro, déjà non seulement encourager, mais il faut savoir que ça va être le déclenchement de quelque chose. Parce que les gens veulent nous ramener très bas. Nous, c'est l'ouverture de notre campagne. C'est le peuple. Donc, jeudi, on a un procès en deux. Et n'oubliez pas, oh là là, je suis un peu attaqué partout. N'oubliez pas, le week-end, notre rendez-vous comme nous l'avions fait. Et nous voulons dire à certains de nos amis, nous n'avons exclu personne du milieu d'entre nous. Tout est structuré, tout est organisé et tout le monde est intéressant. Il n'y a pas de privilégiés parmi nous. Ayez juste l'attitude qui encadre, qui rassemble. Ayez des discours si vous voulez vous identifier. Parce que ce n'est pas du clanisme. On ne fait pas du clanisme. Mais de grâce, aidez le combat pour que le combat puisse nous aider. Que chacun se remette en question. Je ne suis pas, je fais pas de la moraline. Je ne donne pas de leçons à quiconque. Mais pensez et évitez des bassesses, des frustrations. Parce que c'est les frustrations qui retournent les gens. On n'est pas là pour vous frustrer. Nous travaillons pour améliorer le cadre de notre pays. Moi, quand je vous vois faire, quand je vois, il y a des gars qui le font bien pour le cadre ailleurs, dans d'autres panels, qui éduquent, qui sensibilisent. Moi, on est fiers. On encourage, on est fiers. Mais on ne va pas parler à midi de ces personnes ou bien les attaquer. Il y a plusieurs panels où les gars font un travail exceptionnel pour le combat, pour la résistance. Ne font pas, on est chaud, on est à l'aise. Je ne pourrais jamais attaquer quelqu'un lorsqu'il parle, en bien surtout du combat, ou bien qu'il sensibilise. Nous sommes une force, nous sommes une... Prenez ça comme ça. Mais laissez chasser du milieu de vous des gens qui veulent diviser, qui vont nous séparer, qui restent dans le bavada, le mensonge, les invectives. Il faut les chasser du milieu d'entre vous. C'est des petites personnes. Merci à vous et bonne soirée.